C'est comme ça tous les lundis. Et comment t'as fait pour me cacher ça? C'était trop dangereux pour les médecins et pour elle aussi. Il y a déjà eu des arrestations? Oui, deux femmes. Maintenant, on espère beaucoup de la loi. Et puis, elles utilisent n'importe quoi. Des aiguilles à tricoter, du fil de fer, et même des couteaux. Non, 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 pas elle. C'est mon amie la journaliste, je vous en ai parlé. Elle peut prendre des photos? Allez-y. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Chantal. Qui a procédé à l'avortement? Mais personne. C'est moi. Où est-ce que vous avez fait ça? Chez mes parents. Chez vos parents? Oui. Dans ma chambre. Comment vous êtes venue ici? Je saignais beaucoup, ça n'arrêtait pas. J'étais obligée d'appeler ma mère. Elle a fait venir le SAMU. Elle ne vous a pas accompagnée? Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit que j'étais majeure et qu'elle en avait marre de mes conneries. Bon, Diane, il faut partir, je vais me faire virer, ils vont prendre tes pellicules. Chantal, si on publie, vous savez ce que vous risquez. Maintenant, ça m'est égal. Merci beaucoup. Viens, viens, vite. On va savoir ce que vous faites là. Voilà quelques mois que Madame Simone Veil a été nommée par Valérie Giscard d'Estaing, ministre de la Santé du gouvernement de Monsieur Jacques Chirac. Ancienne déportée du camp concentrationnaire d'Auschwitz, elle devient après le concours de la magistrature haut fonctionnaire au ministère de la Justice, où elle défendra sous la direction du garde des Sceaux, Jean Foyer, une réforme ambitieuse du système pénitentiaire avant d'être nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. C'est donc cette femme, dont la persévérance n'est plus approuvée, qui défendra la loi sur l'interruption volontaire de grossesse dès demain au cœur de l'Assemblée. Voilà pour votre présentation, mais ce que ne dit pas ce reportage, c'est qu'en réalité, votre présence au gouvernement, vous la devez au Premier ministre Jacques Chirac. Oui, en effet. Et alors qui du Premier ministre ou du Président vous a confié la périlleuse mission qu'est cette loi? Le Président et la nécessité. Je pense que la situation actuelle est une situation injuste pour les femmes parce qu'en définitive, c'est surtout contre les plus démunis que la loi pénale est rigoureuse. Pour les autres, il est très facile d'aller en Hollande ou même en Angleterre ou même de trouver un médecin qui le fasse en France. Il y en a, nous le savons. Le texte ne pourra être voté qu'avec une partie importante des voix de l'opposition. Est-ce que cela vous gêne? Vous savez, en tant que ministre de la Santé, je ne suis pas d'un camp plutôt que d'un autre, particulièrement sur ce sujet. Je ne voudrais pas choquer ce que l'idée de l'avortement heurte, mais j'irai jusqu'au bout. Parce que tous les jours, des femmes meurent dans d'insupportables souffrances, alors qu'il est si facile d'y mettre fin. Mais que certaines femmes que nous pourrons aider grâce à cette procédure renoncent à se faire avorter. Alors on fait un problème de santé publique, alors qu'il faut parler de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Giraud a raison. Tu dis ça parce que c'était ta patronne? Je sais que j'ai jamais signé seule, mais personne n'a parlé de ça jusque-là. Non, parce que d'abord, le projet n'intéresse pas du tout à procéder à cette chose. J'espère que ceux qui veulent des enfants... C'est ce qu'elle risque, cette femme, si on publie? Elle sait. T'as un titre? Les lundis rouges des hôpitaux français. Pas mal. Patrick, je veux travailler sur la loi. Allez, on commence pas. Mais il faut parler de ceux qui attendent vraiment cette loi. La politique, c'est pas ça. La politique, c'est la chasse gardée de Rémi. Puis si tu sais prendre des photos, qui dit que tu sais écrire? Je peux le faire, ce dossier. Rémi a peut-être ses entrées, mais il va réduire le débat aux dinosaures de l'Assemblée. Regarde cette femme. Elle était prête à tout pour se faire avorter. Tu crois vraiment qu'un type comme Rémi peut la comprendre? Peut comprendre sa souffrance? Allez, à toi, Rémi.
Madame la ministre, je voulais vous dire merci. Vous étiez... Demain, vous avez un rendez-vous à 10h. Vous voulez que j'annule? Pourquoi donc? Ah non, je me disais qu'avec l'ouverture des débats à l'Assemblée, pour ne pas dire des combats... Non, non, on ne change rien. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Merci beaucoup. Totalement déchaîné. On en est où avec le MLAC? Les militantes nous ont assuré qu'elles suspendaient les avortements, ainsi que leur bus vers l'étranger pour ne pas nuire à la bonne conduite des débats. Et bien, espérons que ce soit vrai. Vous avez terminé votre discours? Je le revois cette nuit. Si vous voulez que je reprenne quelque chose? Vous reprendrez. Bien sûr, vous reprendrez. Ah, voilà. Nous avons reçu ça ce matin. Madame, j'ai appris que vous aviez survécu à Auschwitz. Si je m'en suis réjoui à ce moment-là, maintenant je le regrette. Vous allez devenir à votre tour, madame, un des grands criminels de ce siècle. Vous allez tuer nos enfants, et tout cela pour satisfaire une poignée de féministes déchaînées, homosexuelles pour la plupart d'entre elles. Catholique fervent, je me suis toujours défendu de tout antisémitisme. Force est pourtant de constater que cette loi satanique est l'œuvre, madame, d'une juive. Bon, ben, je crois qu'on a compris l'idée générale. On ne doit pas se laisser entraîner sur le débat moral. Alors, il faut insister sur la réalité de l'avortement aujourd'hui. 250 000 avortements par an, c'est 2500 femmes qui meurent chaque année. Près de 7 femmes qui meurent chaque jour. Et vous croyez que les chiffres disent vraiment la réalité de l'avortement? Le discours ne doit porter que sur la souffrance des femmes. Leur souffrance, rien d'autre. Madame le ministre, si vous pouviez rappeler à votre mari... Oui, oui, je le ferai. Bonsoir, madame le ministre. Nous avons quelques scrupules à rentrer de l'opéra en même temps que vous du travail. De toute façon, c'était très mauvais. Madame le ministre, je ne voudrais pas abuser de votre temps, surtout la veille d'un jour aussi important. Mais j'aimerais avoir votre avis sur une affaire qui nous préoccupe beaucoup, mon mari et moi. Oui, mais ça pourrait attendre quelques jours, n'est-ce pas? Naturellement. Bonne nuit. On commence? Tu as vu Jean? Oui. Il a appelé dès qu'ils ont atterri à New York. Il ne voulait que des nouvelles de sa fille. Je t'ai fait préparer un repas. Merci. Tu as regardé? C'était très bien. Les provis étaient à l'entrée. Provis, mais prêts à laisser mourir des centaines de femmes. Ah, tu as parlé à ton ami pour le rendez-vous avec l'église? Oui. Il y travaille. Mais même si tu rencontres le prélat, il ne faut pas trop espérer. Les catholiques s'opposeront. Je sais, mais je n'ai pas le choix. Si l'église s'oppose, le vote est perdu. Bon, allez. Allez au lit. Merci. Il rentre quand? Dans une semaine. Et la nourrice arrive demain. Fin de la grève des PTT, mais début de la grève à l'ORTF. Ouverture aujourd'hui des débats parlementaires sur l'IVG. C'est pourquoi ce matin, nous recevons Françoise Giroud qui a accepté une interview dans notre studio. Vous pouvez monter le son de la radio, s'il vous plaît? Françoise Giroud, bonjour. Votre ancien journal, L'Express, titre aujourd'hui « Pour la loi Veil », un article signé de Michel Cotta et Catherine May.
Et vous, vous en êtes où avec cette loi? Voilà une question directe. Ma position est très claire. Nous faisons partie du même gouvernement et je la soutiens absolument. De votre point de vue, pourquoi cette loi doit être votée? Mais parce que la répression de l'avortement est injuste. D'abord, il se pratique librement dans les pays voisins. Ensuite, et surtout, parce que les femmes ont droit à disposer de leur corps. Là, c'est la féministe qui parle. Mais Simone Veil se place, elle, d'un point de vue de santé nationale et veut arrêter ce désastre humain que les avortements provoquent. Madame le ministre a une ligne très claire, mais je suis au secrétariat d'État à la condition féminine, je le rappelle. Je défends donc les femmes, toutes les femmes. Même Simone Veil. Mais ne craignez-vous pas que ce positionnement très féministe effraie certains députés de votre propre majorité, alors que s'ouvrent aujourd'hui les débats à l'Assemblée nationale? Le féminisme n'est ni de droite ni de gauche. Les femmes doivent prendre ce pouvoir que les hommes ne sauraient leur dénier. Madame Giroux, ce... Vous avez entendu Giroux? Ah, vous l'avez entendu? Elle affirme sa position, ce n'est pas surprenant. Bien sûr. Et ce serait juste drôle si son côté féministe révolutionnaire ne nous coûtait pas des voix. Marie-Hélène? Vous pourriez me prendre ces papiers et me taper la liste des pour et celle des contre? Je fais suivre à l'Assemblée? Oui, Dava en aura besoin. Et faites-en une copie pour Madame le ministre. Et vous, Sylvie? Vous avez l'impression de ne pas disposer de votre corps? Je... Giroux va finir par nous mettre dans la merde. Plus elle parle, et plus notre majorité se braque contre nous. Mais la droite ne voterait quand même pas contre elle-même? N'en soyez pas si sûr. Madame le ministre? Je n'ai pas voulu insister hier soir, vous sembliez épuisée. Mais voilà, Josépha... Ma femme de ménage, vous l'avez déjà croisée, je pense. Eh bien, je suis embêtée de vous demander cela. Mais elle est enceinte, voyez-vous. Et évidemment, il n'y a pas de mari. Josépha est une femme courageuse et honnête. Nous nous demandions, mon mari et moi, si... Enfin, peut-être que vous pourriez me conseiller. Je ne comprends pas ce que vous me demandez, madame. Eh bien... Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais là? Papa venait sur Paris. J'en ai profité pour te rapporter ton linge. Je l'ai repassé. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne réponds jamais. Je travaille. Travaille trop, tu ne gagnes pas assez. Regarde où tu vis. T'aurais mieux fait de rester à la maison. Avec le train, on est à 30 minutes de Paris maintenant. Tu peux pas débarquer comme ça. Un vrai travail, ça rapporte un vrai salaire. La mère de Pascal m'a dit que tu t'es passée à son hôpital pour faire des photos. Pour le journal. Tu photographies des femmes à moitié mortes. Ça doit être joli, ça, dis donc. C'est-à-dire? Y a pas des sujets plus... Plus quoi? Recommence pas, maman. Tant que je range tes culottes, je dis ce que je veux. Tu veux un café? Je me fais un café. Non, je dois y aller. Ces filles-là, elles ont déjà la pilule. Maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent? Le choix. Mais pour toi, quoi? Papa non plus n'est pas d'accord. 73% des Français, elles sont. Mais 73% des Parisiens, peut-être, mais... Bon, écoute, on n'est pas obligé de parler de ça. Pourquoi? Je suis pas assez intelligente pour comprendre. Je file. La petite, ça va? Ah oui, ça va. Ça grandit vite. Pouf, oui, elle va à l'école, là. Ouais, ça ouais, y est, elle est rentrée. Oui, bon. Je mets ça sur la note. Hein. Merci. Et bonjour à votre mari. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, vous allez bien? Et vous, ça va? Ça va. Je vais vous prendre une baguette. Oui, avec ça. Ce sera tout. Pas trop cuite, s'il vous plaît. Pas trop cuite, comme d'habitude. Voilà. Voilà, très bien. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Un croissant. Oui. Je suis une amie de votre fille, Chantal. Ça fait 60 centimes. Elle va pas très bien. Je sais pas de qui vous parlez. Elle est à l'hôpital. Vous le savez? C'est vous qui l'avez fait hospitaliser. Vous n'avez pas entendu, on ne voit pas de qui vous parlez. Je parle de Chantal Morin, votre fille. Monsieur, écoutez, nous savons tous les trois ce qui s'est passé. Écoutez, mademoiselle, ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde personne. Maintenant, ça suffit. Prenez votre croissant et vous sortez.
L'adresse de l'hôpital est derrière. Bonjour, Madame le Ministre. Madame le Ministre, votre rendez-vous vous attend. Excusez-moi, mais vous avez à nouveau reçu ce genre de lettre, 17 ce matin. Si les gens ont du temps à perdre, qu'ils continuent de m'insulter. Que voulez-vous que ça me fasse ? Mais bien sûr. Giroux continue de débattre sur le droit des femmes. Mais pour qui nous prend-elle à la fin ? Parce que nous sommes des hommes, nous ne serions pas éclairés sur la question ? Qu'est-ce que nous devons penser, nous, les députés de votre majorité ? Ce n'est pas Giroux qui est en charge de cette loi. Elle est au gouvernement, comme vous. Alors qui devons-nous croire ? Pour qui parle-t-elle ? Pour elle, toujours pour elle. Et vous connaissez ma position. Il n'est pas question de droit à disposer de son corps, ce n'est pas ça. Ce n'est pas si clair. Il n'y a pas de journaliste ici. Laissez tomber les arguments fallacieux pour justifier l'incertitude de votre propre position. Comprenez que c'est un sujet délicat. Et ça ne doit pas devenir l'étendard du combat féministe. Ce que je sais, c'est que des centaines de femmes meurent chaque année et que le président a décidé de les protéger. C'est ce que nous voulons, pas vous ? Évidemment. Mais si la voix de Giroux est discordante, vous devez vous arranger pour qu'on ne l'entende plus. Sans quoi, nous ne pourrions être à vos côtés. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons dans l'hémicycle tout à l'heure. Prenez-moi rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur. Bien sûr, madame. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Qui est-ce urgent? Le président m'attend. Les provis ont planté leur tente devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Répondre à leurs provocations? Ils n'attendent que ça. Et nous avons un autre problème. Arrêtez de parler par énigme. Madame le ministre de la Santé réclame un rendez-vous de toute urgence. C'est à propos de Giroux. Allez, s'y attendre. Trouvez-lui un créneau. Je suis en retard. Légèrement. Vous vouliez le faire attendre, non? Je veux faire tout ce qui peut t'emmerder, Giscard. Il nous a foutu dans un beau merdier. Divise la droite, fait le mort et compte les points. C'est dangereux, un premier ministre aussi populaire que vous. Surtout auprès des femmes. Mais les femmes ne sont pas toutes pour l'IVG, loin mais de là. Mais à un moment ou à un autre, elles peuvent être amenées à l'être. Politiquement, ce serait une erreur de soutenir cette loi. Et moralement, c'est inacceptable. Pierre, ne sois pas si radical. Du point de vue de la société, Giscard n'a pas tort. Il ne peut pas gouverner dans un tel décalage. Il ne faut pas paraître moins progressiste que lui. Je suis autant progressiste que lui. Je soutiens cette loi sans discuter. Mais pas sans me méfier. Vous êtes en retard. Hein? Peut-être, mais à ce jeu, il est le plus fort. Lequel de nous deux est utile, croyez-vous? Celui qui a de l'avenir. Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Intérieur. Bon, Vincent, on est d'accord, hein. Tu pars pour Marseille pour couvrir le déplacement dans les bidonvilles. Agnès, il me faudrait un truc sur les conséquences de la grève. Il paraît qu'il y a un service de courrier parallèle qui s'est mis en place. Pour la loi, notre papier d'hier a fait du bruit. Donc, c'est Rémi et Diane qui couvriront les débats. Bonjour. Mais par ailleurs, Diane a en charge de faire un dossier sur les acteurs de la loi. Non, attends, c'est nouveau, ça. Il y a 9 femmes à l'Assemblée pour tenter de convaincre quoi ? 482 hommes ? Eh ben, ça leur en fera une de plus à l'extérieur. C'est le début de la parité. Il n'y a vraiment qu'un homme pour dire genre de conneries. Hein. Ah ben, ça, c'est sûr que ça va vous faire tout drôle si la loi passe, hein ? Quand on pourra décider ou non de garder les gosses que vous nous avez faits. Vous, c'est nous, c'est les hommes. Allez, ça va, on s'arrête là, hein, on a compris. Pour la rubrique vie moderne, j'aimerais un truc, là, sur Henri Geller, là. Je sais pas comment il fait avec ses petites cuillères. C'est une arnaque. C'est toi, l'arnaque. Donc, vous oubliez pas ce soir Giscard à la télé. Hein, Rémi, t'oublies pas. Oh là là, Giscard ne dira rien que je ne sais pas déjà. Par contre, Diane, elle pourra regarder. Hein? Comme ça, elle pourra apprendre des choses. Hein, Diane? J'adore ta générosité et ton humilité, Rémi. Ah? Alors? Tu vas défier Saint-Rémy en cette ère politique. Dis-moi, il y a des gens que tu aimes? Tu voulais quelque chose? Oui.
tout ce que tu as sur Simone Veil, s'il te plaît. Je sais pas encore si tu le mérites. Alors, tiens. J'avais fait ça pour Rémi, mais évidemment, ça l'intéressait pas. Ah, mais tout ce qui ne l'intéresse pas m'intéresse. Mais elle dit jamais rien sur elle. Comment t'as fait pour réunir tout ça? Mon boulot. Mariée à 19 ans, bonnes études, magistrate, gaulliste. Dans le fond, elle a rien d'une révolutionnaire. On dirait un reproche. Elle est fascinante quand même. Ça vient d'où cette distance là? Des morts. Ça vient des morts. Sa mère, son père, son frère à Auschwitz. Et puis sa sœur et son neveu dans un accident. Ah oui, hein. Ça suffirait à en abattre plus d'un. Et elle, c'est qui? Ah bah dis donc, c'est pas le tout d'être ambitieuse, faut sortir aussi. Hein. Elle, c'est Marceline Loridan Evans. C'est quand même une cinéaste importante. Hein. Bah, c'est la meilleure amie de Simone. Elles étaient dans les camps ensemble. Si nous réussissons à faire passer cette loi, vous pouvez être sûr que Giscard réclamera la victoire. Et si nous échouons? Alors nous n'aurons plus qu'à partir. J'aime votre enthousiasme. Il faut être pragmatique. Giscard ne donnera pas de consignes à nos députés. Et Giraud qui nous fait perdre des voix à chacune de ses saillies féministes. En définitive, nous ne pouvons compter que sur la gauche. Oui, mais nous, très bien compris. Quand on voit leur exigence sur le remboursement et l'obligation des médecins à pratiquer l'IVG... L'avenir est donc radieux. Pour le moment, c'est la défaite assurée. Une chose après l'autre. Commençons par éliminer Giraud. Les malheureuses qui meurent chaque jour pèsent autant sur votre ministère que sur le mien. J'ai imaginé cette loi avant vous. Maintenant, je veux qu'elle passe. Raison de plus pour recadrer Giraud. Elle est très aimée du président. Oui, mais son obsession à vouloir retirer aux hommes le choix de l'enfantement nous fait perdre beaucoup de voix. Moi, je veux montrer aux députés que cette loi est un coup d'arrêt à la souffrance des femmes. Elle n'a aucun sens politique, je vous l'accorde. J'en ai pas beaucoup non plus, mais j'ai le sens de la loyauté. Les députés de notre majorité ne savent plus sur quel pied danser. S'ils nous lâchent, la loi ne passera pas. Ah, si elle ne passe pas, le MLAC viendra dans nos bureaux pour pratiquer des avortements. Il faut écarter Giraud, monsieur le ministre. Nous ne pourrons pas la congédier. Nous avons besoin de femmes. Il se donne pourtant assez de mal pour faire oublier qu'elle en est une. Allons-y. Comment vous sentez-vous? Je vous mentirai en vous disant que je n'ai pas le truc. Le combat commence sur le perchoir, et votre discours est parfait. Oui, il est parfait. Avec votre célèbre touche de lyrisme en plus. Vous l'avez noté? Nous ne parlons pas aux journalistes. Je sais bien que c'est pas une carte de visite très engageante, mais quand vous êtes une femme, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que ça change que je sois une femme? Vous avez pas envie de défendre votre point de vue, vous expliquer? Vous avez quelque chose à cacher? Écoutez, tout ce que vous avez besoin de savoir est sur notre brochure. Tous nos arguments, puisqu'il en faut aujourd'hui pour préserver la vie. La vie de qui? Si vous voulez vraiment nous écouter, venez ce soir à cette adresse.
ne désarme pas, hein. Vous savez que certains restent la nuit aussi. J'ai reçu la liste des pour et des contre. Eh bien, dans les contre, vous pouvez ajouter Debré. C'est pas étonnant. Ici, les députés du centre attendent la position de l'église. Oui, je sais. On s'en occupe. Si on en donne trop à l'église, alors nous perdons le vote de la gauche. Mais nous gagnerons le centre. Madame le ministre, dans tous les cas, si nous perdons la gauche, il n'y a pas le compte. Et on rentre chez nous. Pour trouver des solutions au lieu de paniquer. Vous connaissez mieux que moi les arcanes de cette maison. Mais j'ai peur que si nous courtisons... La peur. Laissez-la aux femmes qui prennent des bus pour avorter. À tout à l'heure. Madame le ministre, s'il vous plaît. Votre propre majorité est divisée. Vous aurez donc besoin de la gauche pour faire passer votre loi. Êtes-vous sûr de leur soutien? Ne craignez-vous pas un vote hostile de l'opposition? Vous voulez bien laisser Madame le ministre préparer tranquillement son discours et passer plutôt vos nerfs sur moi? J'ai l'habitude. Monsieur le député, est-ce que cette loi ne désavoue pas votre propre loi sur la pilule? La loi sur la pilule, c'était une première avancée. Fondamentale. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Donc votre loi n'était pas suffisante? Je vous rappelle, cher monsieur Bourdon, qu'avant d'être Lulu la pilule, j'étais le malfaiteur public, ou le fossoyeur de la France. Nous avons beaucoup œuvré pour qu'une morale de la connaissance se substitue à une morale de la contrainte. Mais nous ne sommes visiblement pas allés assez loin. Vous êtes donc clairement pour la loi, sans réserve aucune? Mademoiselle, je ne souhaite l'avortement pour aucune femme. Vous savez, au lendemain de la libération, nous étions une équipe de jeunes gens qui n'avaient pas démérité pendant la résistance. Parmi nous se trouvait une petite jeune fille de Firminy, gentille comme tout. Elle faisait l'intermédiaire, le guet, courageuse. La vie a fait qu'elle est tombée enceinte au mauvais moment. Ses parents n'ont pas hésité une seconde et l'ont mise à la porte. La nuit même, elle s'est jetée dans l'eau glacée d'une rivière et elle est morte. C'est assez simple, finalement, mon combat. C'est celui-là. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse. La parole est à Madame le ministre de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Françaises et des Français, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, les médecins, les personnels sociaux, les infirmières savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions
qui risque de la laisser mutiler à jamais. Et ces femmes, elles ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et le drame. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Vous avez, Madame le Ministre, évoqué tout à l'heure, et je vous ai écouté avec émotion, l'époque où nous avons collaboré à la préparation d'un certain nombre de grandes lois, notamment sur les prisons. C'est la raison pour laquelle je regrette qu'aujourd'hui notre désaccord soit si profond à propos de ce texte, à la fois par ce qu'il contient et par ce qu'il omet. Si vous changez la loi, fût-elle inappliquée, vous modifierez plus de comportements que vous ne le pensez, n'en doutez pas. Déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort. Et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits d'hommes et que certains de nos collègues ont pu visiter à l'étranger. Messieurs, s'il vous plaît, mes chers collègues, je vous serai reconnaissant. Le débat va durer combien de temps? Dans trois jours, c'est plié. De laisser parler tous les orateurs, même si leurs propos ne vous conviennent pas. Messieurs! Merci d'être venu. J'avoue que je ne pensais pas que vous oseriez. Pourquoi? Les journalistes ne sont pas assez curieux de nous comprendre et aucun ne partage nos idées. Je ne les partage pas non plus. Inutile de le préciser. Je vous débarrasse? Oui. Mais je n'ai pas d'a priori. Enfin, disons que vous en avez, mais que vous acceptez de nous écouter. Je vous en prie. Il faut aussi changer la société française. Non mais de quoi parle-t-on, là? Ce n'est pas pour moi. De la vie. À partir de quel moment pensez-vous qu'un homme vit? Et qui peut décider de la vie et de la mort de ses enfants? Enfin, vous opposez des idées philosophiques à la vie très concrète et compliquée des femmes. Le vrai droit des femmes, c'est de ne pas tomber enceinte. Moi, je suis médecin et j'obéis au serment d'Hippocrate. Et j'ai pas le souvenir qu'il engageait à tuer. Pas d'avortement, aucun avortement. Et quelles que soient les circonstances. Et la pilule, on pourrait en reparler. Et les avortements dans des cas dramatiques? Non, non, c'est insupportable. D'accord pour que l'abandon et l'adoption soient facilités, mais l'avortement, non. C'est contre toutes nos convictions. C'est contraire à la parole sainte, voilà. Évitons la religion. Et les dizaines de femmes qui meurent d'avortements clandestins? Ce n'est pas notre responsabilité. Elles doivent être conscientes de leurs actes. Et sur le plan politique, quelles sont vos marges de manœuvre maintenant que le débat est lancé? Nous voulons ébranler les députés les plus timides. Et avec violence, s'il le faut. Avec violence. Mais vous ne croyez pas que cette nouvelle religion du sexe est violente, elle, pour nous? Satan dirige le bal et nous ne devrions rien faire. Elisabeth, je crois que mademoiselle a compris. À bord d'un débat d'une grande gravité, puisqu'il touche à la fois à la vie et à la justice. Et il ose parler de vie et de justice. L'avortement... Écoutons comment il va légitimer un tel débat. Qui, pendant la durée d'une législature de l'Assemblée nationale, concerne le sort individuel d'1,5 million de femmes. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Au fond du couloir, là, tout en droite. J'ai demandé au gouvernement de ne ménager aucun effort pour faire en sorte que le Parlement vienne appliquer un entendu.
Françoise ? On dirait que t'as vu un fantôme. Je suis au gouvernement, je suis pas morte. Non, bien sûr, mais enfin, vous ici, ça fait pas un mélange de genres dangereux ? Ce sera pas une première. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille sur la loi. Et toi, tu travailles sur la loi, non ? Oui. Suis-moi, tu seras pas déçue. Bonsoir. Bonsoir. Diane, je te présente Fabienne et Joël de l'association Choisir. Chantez. Bonsoir. Alors Diane fait... Une enquête sur le vote de la loi, partisans, opposants... Voilà. Alors, vous êtes peut-être déjà au courant, mais aujourd'hui, Poniatowski m'a demandé de me taire. Je suis trop bruyante. Le ministre de l'Intérieur lui-même. Bravo, Françoise. Oui, mais c'est mal me connaître. Parce que si je ne peux pas parler, je peux quand même vous donner ça. Qu'est-ce que c'est ? Une liste de députés qui n'ont pas encore choisi leur camp. Tu veux dire qu'on va pouvoir les travailler nominativement pendant les débats ? Et les retourner. Nous avons étudié la question au cabinet. Alors, évidemment, c'est un document à ne pas diffuser. À ne pas diffuser ? Enfin, c'est un peu tard parce que les proviers ont exactement la même liste. Et comment tu peux savoir ça ? J'étais chez eux ce soir. Ils leur envoient des colis très bien faits, avec des tracts, des photos assez dégueulasses. Et une cassette aussi. Eh bien, soyons plus rapides qu'eux. Il faut absolument obtenir un entretien avec la ministre pour insister sur le remboursement de l'IVG. Mmh. Si la loi passe sans le remboursement, c'est une loi pour quelques-unes. L'important, c'est que la loi passe, justement. Oui, mais pour toutes les femmes. Il y a quoi là-dessus ? La question est d'ordre aussi bien philosophique que médical. Et c'est à nous, les hommes, de décider du début de notre humanité. En gynécologie, nous avons une réponse. Mais peut-être sommes-nous présomptueux. Madame le ministre, oui ou non, admettez-vous que la vie commence au moment de la fécondation ? Allons, messieurs. Madame, je peux vous raconter les fœtus récupérés dans les sacs en plastique. Je peux vous raconter la vigueur avec laquelle ils se débattaient pour vivre. Oui, pour vivre. Vous en avez plus qu'assez, dit discours. Vous ne me croyez pas. Eh bien, écoutez. Voici les battements de cœur d'un fœtus de 8 semaines et 2 jours. Dites-moi s'il est en vie. La nausée. Ce sont les mêmes députés qui rejettent la loi et qui demandent à voix basse comment faire avorter leur maîtresse. Je sais pas comment vous faites pour garder votre contrôle face à une telle mascarade. Parce que c'est ce qu'ils veulent, que nous perdions notre sang-froid. Mais je les battrai sur leur terrain, la politique. Que faisons-nous pour la gauche ? Rallions d'abord notre majorité, ensuite nous verrons avec la gauche. Et l'Église ? Toujours pas de nouvelles. Au fait, sachez que Giraud est écarté. Maintenant, il faut pousser Chirac à nous soutenir officiellement. Nous avons entendu dire que ton complice Pierre Juillet était férocement contre nous. Moralement, il ne supporte pas l'idée de l'IVG. C'est lui qui fait douter Chirac ? Non, Chirac ne sait pas encore. Il veut la loi, mais il se méfie de Giscard. Alors il calque son attitude sur lui. Il doit entendre que nous avons besoin de tous les soutiens pour convaincre les députés. Même si dans le fond, pour lui, tout ça n'est qu'une histoire de bonne femme, il est très attaché à ta ministre.
Sans être idéaliste, on pourra espérer qu'il gouverne autrement qu'à l'affect. En soutenant Giscard, Chirac a perdu sa famille gaulliste. Et les gaullistes ne sont pas particulièrement pour la loi. Ce qui veut dire ? Qui ne veut pas se retrouver minoritaire à droite. Si politiquement une fenêtre s'ouvre, il vous soutiendra. Je suis désolée, Dominique. Je ne peux pas t'en dire davantage. Tu n'es pas fatigué de ces messes politiques ? Avec son silence, Giscard plante un couteau dans d'autres mains. Mais non, Marceline, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse ? C'est lui qui a voulu cette loi. Alors pourquoi utiliser Simone comme fusible ? La politique n'est pas une histoire de personne. Tout est une histoire de personne. Alors qu'a dit Giscard ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Dormez, 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 citoyen. Il a tourné comme une horloge. Rien qui ne puisse t'aider, en tout cas. Ce n'est plus l'opinion qu'il faut convaincre, ce sont les députés et même pas ceux de l'opposition. Marceline, tu as dîné ? Non, pas sans toi. Tu pourrais devenir présidente. Oh, on voudrait pas. Le pouvoir, c'est quand même ton truc. Tu veux que je te dise ? Ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi seule. Ils te disent quoi ? Que je vais faire construire des avortoirs pour brûler les enfants. C'est délicat. Tu te rends compte qu'ils ont fait battre le cœur d'un fœtus dans l'hémicycle ? Non, je ne m'en rends pas compte. Ils reculent devant rien. Et ça vient de chez nous, la droite, notre propre majorité. Tu veux que je te dise ? On n'est pas encore guéri de la guerre. La bêtise ne se soigne pas facilement. Ils ont peur. Qui ? Les hommes. Non. Ce n'est pas ça, la peur. Chantal, regardez, Diane est revenue vous voir. Bonsoir. Tenez. Elles sont très belles, vos photos. Pascal m'a dit que vous étiez allée voir mes parents. Oui, pour mon article, je... Ils vous ont dit quoi ? En voulant à Pascal. Oui, je les ai vus. Ils pensent que... enfin, c'est compliqué. C'est bon, j'ai compris. Ils ne viendront pas. Ils comprennent rien. Je suis sûre qu'ils vous aiment, mais ils viendront pas. À cause de tout ce qu'on dit sur l'avortement. Comment tu fais pour supporter ça ? C'est pas la première Chantal que je vois. Tiens, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est une antenne du MLAC. C'est un médecin qui me l'a donnée. Tu crois qu'elle est encore active ? Parce qu'à la direction, personne ne veut me répondre. C'est possible. Merci. Les médecins disent qu'on pourrait abandonner le remboursement. Mais qui viendra ici alors ? J'ai obtenu le rendez-vous avec le prélat. L'église t'attend. Le vent va peut-être tourner. Si tu souffles assez fort. Monseigneur, toute vie doit être protégée. Et croyez-moi, je sais le prix de chacune d'entre elles. L'ordre des médecins lui-même ne semble pas enclin à vous soutenir. Et c'est pourtant une organisation de droite. L'ordre des médecins ne représente que lui-même. Ne sous-estimez pas son poids. Je ne sous-estime personne. Qu'envisagez-vous exactement ?
Que désirez-vous que nous envisagions ? Pourrions-nous inscrire dans la loi le libre choix des médecins à pratiquer ou non l'avortement ? Oui, c'est envisageable. Mais la gauche qui, elle, soutient ouvertement notre loi en fait une de ses conditions. Comprenez que nous ne sommes pas dans des considérations politiques. Bien. Je comprends. Nous en sommes au deuxième jour des débats. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Que dois-je attendre de vous ? De moi ? Beaucoup de sympathie. Et de l'Église, je pense pouvoir promettre le silence. Ni soutien, ni opposition, tant que les médecins garderont leur liberté d'action. Ça va pas, non ? Arrêtez ! Je suis journaliste, vous sortez d'une blague, vous allez... Et oh, vous avez pas le droit, là, oh ! Et vous, vous deviez pas arrêter les bus et les appartements ? J'en suis à 8 semaines. Mon mari est pas au courant. Et j'en ai déjà 3. Ce bus me sauve la vie. C'est tout. Allez. Mais arrêtez, je suis pas contre vous, moi. Ça fait des années que le MLAC organise des avortements pour obliger les politiques à faire une loi. Alors oui, aujourd'hui, elle va peut-être passer, mais ces filles-là, on en fait quoi ? Écoutez, je sais pas qui fait la grève de l'avortement, mais elles, là, ces filles que vous photographiez, elles font pas la grève de leur grossesse, hein. Mais ça va aller, Louis va. Allez. Vous inquiétez pas, ça va aller. Hein? Madame la ministre, je voulais vous assurer de mon soutien. Et même s'il n'a pas pris de position officielle, du soutien du président. Mais je comprends très bien, mais je ne suis pas celle qu'il faut rassurer. Son silence ne facilite pas la décision de certains députés. Ses convictions lui imposent de le laisser choisir selon leur conscience. Vous voulez parler de conscience politique, je suppose. Madame la ministre, entre le chômage, la crise et l'inflation sans précédent qui se présente, croyez bien que nous avons autre chose en tête. Ne me faites pas la leçon, j'étais là pendant le Conseil. Le président a une équation délicate à résoudre. La démarche du président est limpide. Inutile de me l'expliquer. Et monsieur le ministre, avant de m'expliquer la position du président, j'aimerais connaître la vôtre. En l'état, je ne peux soutenir la loi. Mais nous n'en sommes qu'au deuxième jour des débats et nous attendons les amendements pour nous situer. C'est en pleine négociation avec la CGT qui est forée, je pense, trouver un compromis dans la paix. Madame la ministre, je dois me rendre à l'Assemblée. Une seconde. Peu importe ce que vous pensez de moi, mais je vous assure que dans ce combat, nous sommes à vos côtés. Mais je n'en doute pas une seconde. Madame la ministre. Madame la ministre.
Qu'avez-vous dit à Simone Veil? De quoi avez-vous parlé? Madame la ministre, y a-t-il un profond désaccord entre vous et Madame Veil? Écoutez, je n'ai rien à dire à ce sujet. Et pourtant, certaines rumeurs font état du fait que vous seriez un tout petit peu écarté du débat. Non, absolument pas. Qu'avez-vous pensé du discours de Madame Veil hier? Il était en tout point parfait. Madame Veil n'a pourtant jamais fait mention du droit des femmes à disposer de leur corps. Monsieur, ne polémiquons pas. Si la loi est votée, le bouleversement qui s'ensuivra sera long et profond, mais sera sans retour. Le Canu a dit qu'il ne nous soutiendra pas. La justice qui ne soutient pas ce qui est juste. Vous pouvez m'apporter le discours de la ministre? Bien sûr. Et les lettres anonymes, vous n'oubliez pas de les verser aux archives, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur Levert. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Remettez-vous. Je les ai jetés. C'était trop immonde. J'ai tout jeté. Je pensais pas que... Sylvie a jeté toutes les lettres à la poubelle. C'est leur place. Ça n'a pas d'importance, nous avons d'autres chats à fouetter. Qu'y a-t-il? Non, c'est l'expression chat à fouetter. Je peux pas m'empêcher d'imaginer des chats qu'on fouette. Et le rendez-vous avec le prélat? Il exige que les médecins puissent refuser de pratiquer l'avortement. Si nous acceptons, est-ce que l'Église nous soutiendra? Non, mais elle ne s'opposera pas. La gauche ne va pas aimer cette reculade. Alors c'est notre prochaine étape. Convaincre de faire. Parce que si personne ne lâche rien, nous serons seuls dans l'hémicycle à la fin de ces débats. Je suis tombée sur ça. C'est quoi? C'est des filles du MLAC. Elles continuent les voyages et les avortements alors qu'elles avaient dit partout qu'elles ne feraient rien pour ne pas gêner les débats. Et alors? Non mais merde, mais tu vois pas l'hypocrisie? C'est l'occasion d'insister encore sur ce que les femmes sont obligées de faire. Ça, c'est pas un scoop, hein. Ces photos montrent pourquoi la loi doit passer. Non, c'est tout le contraire. Avec ça, tu fusilles la loi. Les pro-vives vont se précipiter dessus et dire que le MLAC continue à déporter des femmes vers des avortoirs. Et qu'elles continueront, même si la loi est votée. Mais je suis pas d'accord, c'est notre boulot. Je te dis que tu peux pas sortir ça. Je comprends pas, c'est pas ça qu'on veut dénoncer. Avec ces photos, tu plombes ceux qui se battent pour la loi. Tiens, si tu veux faire du journalisme, va les interroger. On pleure totalement le quartier. Je sais pas si ça va leur changer la vie, l'avortement. Mais nous, ça pourrit la nôtre. Elles sont complètement surexcitées, hein. Encore un peu, il faudrait les mettre en cloque juste pour qu'elles puissent avorter. Bonjour. Monsieur Levert, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Levert, je peux vous parler? Je vous en prie, mademoiselle Ristroff. Mais vous me connaissez? Vous travaillez à l'Express avec Rémi Bourdon et vous venez d'être nommée pour suivre les débats à l'Assemblée. Ça, c'est la liberté de la presse. C'est notre métier de savoir qui nous parle. Si vous savez tout, peut-être que vous pourriez expliquer ça à nos lecteurs. Qui a pris ces photos? Moi, ce matin. Et vous pensez publier? C'est le genre de choses que nous faisons, nous, les journalistes. L'Express change de camp? Une semaine, vous nous soutenez, l'autre, vous nous attaquez. Je défends les femmes, c'est tout. Vous ne les aidez pas en montrant que le MLAC a menti. Et vous nous affaiblissez en prouvant que nous ne contrôlons pas tout. Je ne fais pas de politique. Alors vous n'êtes pas journaliste? Que doivent faire ces femmes pendant que vous débattez, monsieur Levert? Vous apprendrez que toutes les informations ne sont pas bonnes à publier. Ou qu'il y a un temps pour le faire. Sont mitigées. Elle s'arrangeait avec monsieur Defer? Oui, il vous attend. Mais je ne sais pas si rencontrer la gauche dès maintenant est la meilleure stratégie, alors qu'on ne sait toujours pas ce que le centre va faire. Il est encore temps d'annuler. Vous plaisantez?
Cette idée fait du bruit dans nos rangs. On ne gagne pas une bataille sans prendre des risques. Pourquoi ne pas plutôt abandonner le remboursement de l'IVG pour réunir notre camp? Ce n'est pas le moment de prendre ce genre de décision. Madame le ministre, nous ne sommes pas dupes. Quels amendements pensez-vous proposer? Si votre groupe ne vote pas massivement, c'est perdu. Ce n'est pas exactement ce que je vous ai demandé. Nous allons devoir retravailler certains passages. Lesquels? Ce n'est pas décidé. Madame le ministre, trop de changements dans cette loi lui seraient fatals. Ni l'obligation légale des médecins, ni le remboursement ne sauraient être retirés du texte, vous entendez? Vous comprenez que si je suis là, au risque de perdre une partie des députés de ma majorité, c'est que cette loi n'est pas un combat politique. Bon. Obligation légale à la rigueur. Mais le remboursement est essentiel. C'est l'âme de votre loi. Non, il s'agit des victimes, monsieur Defer. Ce sont ces âmes-là que nous devons sauver. C'est un effort important que vous nous demandez. Je vois ce que je peux faire. Mais ce n'est pas une promesse. Les femmes ont une certaine habitude de cela. Madame le ministre, il faut que l'affaire qui nous occupe soit bien grave pour que je me lève pour vous contredire et souhaiter que le texte proposé ne soit pas voté. Car ce n'est pas au moment où la compétition internationale fait rage et n'épargne pas l'Europe occidentale qu'il faut affaiblir la nation française. Or, la baisse de notre natalité nous laisse présager la même dégradation profonde dont la France a tant souffert, que dis-je, dont elle a failli périr. Deuxième jour. Mais on est quand même content de te voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En effet, portons notre regard vers l'Orient, lointain ou proche, vers l'Afrique du Nord. Leur démographie en est considérable. Le doute, mes chers collègues, le doute n'est pas permis. Quand le déséquilibre sera trop grand, la paix entre nos deux hémisphères sera purement et simplement menacée. Messieurs, nous sommes déjà très en retard. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Une loi sur l'avortement en France, ça va déclencher une guerre en Afrique, c'est ça? C'est la grande trouille du club des natalistes. Cette loi fout un sacré bordel chez les députés. Je suis d'accord avec Charles. Ce débat nous scinde terriblement. Nos alliances avec les gaullistes, comme avec le centre, sont foutues. La question, c'est comment isoler Giscard en rassemblant la droite autour de vous. Vous en pensez quoi, ce débat, Marie-France? Vous avez nommé la ministre. On ne comprendrait pas que vous ne la souteniez pas. Ça y est, l'ordre des médecins va annoncer sa position. Dès que nous savons, je viens vous retrouver. Je ne vois vraiment pas pourquoi on s'inquiète. L'ordre des médecins ne sert plus à rien. Bernard, vous n'êtes pas le seul médecin de l'Assemblée. Je ne suis pas sûr que vos 60 confrères partagent votre avis. Si l'ordre des médecins part en guerre contre la loi, nous perdons à tous les coups. Vous avez entendu Debré? J'aimerais savoir ce que De Gaulle penserait de tout ça. Laissez le général là où il est. Non, monsieur le ministre, Debré est irrécupérable. Mais vous pouvez faire quelque chose à propos de Le Canuet. Il marche dans ses pas. En effet.
Contre. L'ordre des médecins s'est prononcé contre. Et merde. Il faut lâcher l'obligation légale. C'est le moment. Mais on n'a pas le choix. L'Église et les radicaux l'attendent. Et la gauche? Ils encaisseront. Leur point de rupture, c'est le remboursement. On les comprend. Il faut annoncer au plus vite que nous amendons le texte. Davin, rédigez ça rapidement. Et Claudius Petit? C'est un grand cateau. Il tient déjà farouchement contre le projet de loi sur l'avortement que j'avais proposé. Je sais aussi que si on ne parvient pas à le faire changer d'avis, c'est tout le centre qui nous lâche. Puis-je vous accompagner quelques instants? Je m'attendais à vous voir avant. Madame le ministre, on n'a pas le goût des discussions de couloir. Ce n'est pas la seule chose qui me plaît chez elle, mais elle surévalue mon influence dans l'hémicycle. Vous le savez très bien, monsieur Claudius Petit. Tous les centristes sont suspendus à votre décision. La loi a reçu le soutien de l'Église. Parlez plutôt d'indifférence. Non, quand même. Leur silence est d'or, vous ne pouvez pas l'ignorer. Quoi qu'il en soit, et contrairement à ce que pense votre ministre, je ne suis pas une grenouille de bénitier. Je dois vous dire aussi que nous lâchons l'obligation légale pour les médecins. Monsieur, sans votre soutien, nous perdons le centre. Et la loi est menacée. Vous devriez la rencontrer. Pourquoi faire? Elle connaît ma position. Nous verrons ça après la séance. Vous y revenez? Ce ne sera pas ma première nuit blanche. Il vous reste combien de temps de débat? Un jour et deux nuits, je pense. Et tu te sens comment? C'est très violent. Il faut tenir. Nous sommes loin du compte. La droite ne se rassemble pas et la gauche menace de s'abstenir. Et la défaite? On ne peut pas l'écarter. Cette soirée ne tombe pas très bien. N'en détrompe pas, au contraire, ça me fera du bien. On changera les idées avant de retourner dans l'arène. Cette nuit promet son lot d'ineptie. Allô? Non, c'est Marceline qui vient d'arriver. Elle m'accompagne puisque tu n'as pas voulu venir. Embrasse de ma part. Certainement pas. Alors je t'embrasse. Oui, moi aussi. Antoine t'embrasse. Regarde comme ils t'observent. J'ai l'impression qu'ils attendent que je monte sur un tabouret et que je fasse un discours. Tu es une star. Ça leur passera. Bonsoir, madame le ministre. Marceline, je te présente monsieur Debré. Ah, c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous a pris de faire ce discours? De la guerre avec l'Afrique? Non, mais quand même. Marceline est documentariste, engagée et une très bonne amie. Madame le ministre, quoi qu'il en soit, le texte est encore trop... Laissez les débats à l'Assemblée, si vous le voulez bien. On est vraiment obligé de faire dans les dîners mondains. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas m'en empêcher. Faut que je suive les politiques partout où ils vont. L'odeur du pouvoir? Ah, à savoir. Madame Veil, s'il vous plaît. Mais c'est pas si madame le ministre. Que pensez-vous des attaques de votre majorité? Arrêtez, messieurs. Madame Veil. Un peu de calme. S'il vous plaît. Que pensez-vous des critiques de la part de votre majorité, madame le ministre? Pas de déclaration. Nous déposons mon ami avant de retourner à l'Assemblée. Vous avez une vie étrange, les politiques. Une minute, vous vous faites une guerre sans fin, et l'autre, vous vous embrassez un verre à la main. Ce n'est pas ce que je préfère. Le verre ou la guerre? Le verre. Ça va faire parler, cette sortie avec Debré. Si seulement. Avec ça, certains croiront qu'il te soutient.
Tu retournes cette nuit? Je sais pas encore. Attends, Diane, qu'est-ce que tu fais? T'es partout sauf à l'Assemblée. Cette loi, c'est aussi pour les vrais gens, Rémi. Ce seront pas les vrais gens qui la voteront. C'est quand même pour eux que Simone Veil l'a fait. T'es complètement sous son charme. Sa force vaut mieux que les intrigues de couloir dont tu raffoles. Rémi, c'est pas parce qu'on a couché une fois ensemble que tu dois tout te permettre. Oh, mademoiselle, ne dis pas votre féministe vous interdit aussi de prendre du plaisir. Arrête, tu fais chier, j'ai pas envie là. Diane, téléphone pour toi. C'est idiot. Je sais pas pourquoi. C'est idiot, je vois tous les jours des gens qui meurent, mais là... J'ai repéré l'hémorragie, j'ai suivi l'opération, j'étais là tout le temps. Je peux pas te dire, elle me regardait, je l'ai vue. Il y avait du sang partout, et puis elle est morte. Personne n'est venu. Quand j'entends ces connards de députés parler de l'invasion de l'Afrique. Si j'avais été désigné comme dauphin de Pompidou, j'aurais pris des décisions plus fermes, sans ces débats pénibles. Si vous aviez été désigné, cette loi n'aurait peut-être jamais été présentée. J'ai appris pour l'Ordre des médecins. Et l'Église ? Elle soutient par son silence. Elle fait comme vous, monsieur le Premier ministre. Enfin, jusqu'à ce soir. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Vous, évidemment. Les députés feront comme ils veulent, mais je suis avec vous. Il faut espérer que Morand soit sensible au symbole. Oui, je défends le droit à critiquer mon propre gouvernement. Quand il s'agit de tuer des êtres humains sans défense, ce n'est plus un droit, c'est même un devoir. Allons-nous admettre le permis légal de tuer ? Supposez, chers collègues, s'il vous plaît. Supposez que l'on retrouve l'un des médecins nazis, l'un de ces hommes qui pratiquaient la torture et la vivisection humaine. Y a-t-il, voulez-vous me le dire ? Différence de nature entre ce qu'il a fait et ce qui sera pratiqué officiellement dans des hôpitaux et dans des cliniques de France. Messieurs, s'il vous plaît, ça suffit. On est allé, quelle audace incroyable, jusqu'à prétendre tout bonnement qu'un embryon humain était un agresseur. Eh bien, ces agresseurs, vous accepterez, madame, avec ce projet de loi, de les voir comme cela se passe ailleurs, jeté au four crématoire ou remplissant des poubelles. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Non, non, ça suffit, ça suffit. Messieurs.
Arrêtez-vous là, je vais marcher. Demain, 8h30. Ça va? Oui, ça va. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin. Allô? Madame le ministre? Oui. C'est Jean-Marie Daillet. Il n'y a pas de mots. Je suis contrit. Madame Veil, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mes propos ce soir, madame, étaient outranciers. Je ne sais pas comment j'ai pu oublier votre passé, que votre mère... Madame le ministre, je vous prie d'accepter mes excuses les plus sincères. Il est trop tard pour les excuses, monsieur Daillet. Bonjour, Fanny. Bonjour, madame. Par la France. Concorde, Giscard va demander à Gérald Ford d'intervenir pour lever l'interdiction de survol des États-Unis par le supersonique. Le port de la ceinture de sécurité sera bientôt rendu obligatoire, même dans les villes. J'ai retrouvé quelques lettres anonymes. Je les ai versées aux archives. Vous avez un lit à vous, je suppose. Vous devriez essayer d'y dormir de temps en temps. Oui. J'ai vu Claudius Petit hier soir. Je vous l'avais demandé. Non, mais j'ai trouvé stratégique d'essuyer le premier refus. Alors, il se dit troublé par le texte et qu'il n'est pas une grenouille de bénitier. Il ne supporte pas l'idée d'aller contre la vie. D'une certaine manière, je peux le comprendre. Sur nos bancs, nous n'avons pas la majorité, malgré le silence de l'Église et la présence de Chirac hier soir à vos côtés. L'ordre des médecins était un coup dur. Et Debrick sans tête. Non, la question, c'est comment faire plier Claudius Petit. Nous devons ramener le centre vers nous. Il faut lâcher le remboursement. C'est maintenant. Et la gauche? Il faudra qu'elle tienne, sinon c'est perdu. Ce n'est pas un, mais deux amendements qui vont être votés. Pas d'obligation pour les médecins à pratiquer l'IVG et le non-remboursement. C'est un coup de poker de veille. La gauche peut jouer l'abstention. Pour une fois qu'on fait une loi pour eux, il faut encore qu'ils nous emmerdent. Mais chez nous, il n'y a pas encore une majorité. Pas tant que Claudius Petit ne se sera pas prononcé. On va quand même pas laisser voter une loi sans notre majorité. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour Simone? Que lui poser la main sur l'épaule. Ce qu'elle attend de vous, c'est un soutien plein et entier. Rien d'autre. Jean,
Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je ne vous ai pas entendu sur la loi. Je vais être direct au ministre de la Justice, je dois vous le dire, l'affaire est délicate. Sans doute, mais en toute conscience, je ne peux pas... Si vous appelez à voter contre cette loi et qu'elle passe, vous serez dans une position intenable. Je pensais que nous avions toute latitude pour pouvoir choisir... Oh, les députés, peut-être. Mais le ministre de la Justice, comment pourriez-vous faire appliquer une loi contre laquelle vous vous seriez opposé ? Nous en avons parlé avec le président. Nous pensons qu'il serait sage de vous garder au gouvernement. Il fallait s'en douter. Comment faire confiance à la droite? Ils ne font que des annonces. Sans remboursement, à quoi sert cette loi? Les riches seront toujours aussi bien soignés. Les ouvrières continueront de mourir. Cet amendement accepté... Monsieur Ballanger, pensez-vous que les communistes et les socialistes voteront contre la loi? Contre? Certainement pas. Pourquoi voter contre? Une abstention générale de la gauche n'est évidemment plus à exclure. Mais ça pourrait condamner la loi dans son ensemble. À qui la faute? Non, madame la ministre, vous ne pouvez pas encore parler à la gauche. De quoi aurions-nous l'air? Je ne crois pas une seconde à cette abstention. Et si c'est le cas? Nous sommes presque à la majorité chez nous. Sans Claude Duspéki. J'ai imposé à la CNUET d'appeler à voter pour nous. Très bien, mais il emporte un petit groupe, ce n'est pas suffisant. Il faut encore interroger. Madame le ministre, nous sommes à gauche et vous à droite, et il faudrait que nous acceptions tout pour faire passer votre loi. Ne vous abstenez pas. Comment tenir mon groupe sans lui garantir qu'il est entendu? Et vous le savez bien, même imparfaite, il faut lancer cette loi. Personne ne l'arrêtera ensuite. Me convaincre est une chose. Réunir socialistes et communistes en est une autre. Je vous l'assure, nous n'avions pas d'autre choix. Je dois pouvoir compter sur vous cette nuit. Donnez une chance à cette loi. Faudra qu'on s'occupe de ça après. Les dernières études ne sont pas bonnes. Le tabac nous tuera tous. Vous croyez que je devrais arrêter avant de lancer une campagne? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Encore une expression qui vous amuse. On y est? On y est. La parole est à Eugène Claudius Petit. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, nous sommes en train d'élaborer une loi, et pas de gaieté de cœur, pour coller à la réalité. Cette loi doit être clairement et profondément une loi de santé pour la morale publique. Nous, membres de la majorité associée à l'opposition, devons arracher au gouvernement tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre la contraception, mais aussi mettre en place un dispositif d'accueil pour que l'enfant ne soit plus rejeté, pour que la mère ne soit pas rejetée. Car s'il fallait rejeter tous les hommes responsables de ces situations, il y aurait bien trop à faire. Alors, et précisément parce que je n'ai pas laissé au vestiaire mes convictions spirituelles, je ne peux pas me défaire de la solidarité qui me lie à la société dans laquelle je vis. Pour obéir à mes exigences, je suis avec ceux qui souffrent le plus, avec celles qui sont condamnées le plus, avec celles qui sont méprisées le plus. Je serai près d'elles parce que, dans le regard de la plus désemparée des femmes,
dans celui de la plus humiliée, de la plus fautive, se reflète le visage de celui qui est la vie. À cause de cela, à cause de lui, je prendrai ma part du fardeau. Je lutterai contre tout ce qui conduit à l'avortement, mais oui, je voterai la loi. Je vous remercie. Beau retournement, chapeau. Nous allons maintenant procéder au vote, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le Président, nous demandons un vote public. Accepté.284 pour, 189 contre. La loi est adoptée. Prenez goût à la politique, finalement. Si ça peut changer des choses. Les choses. Voilà un terme bien vague. Il faudrait que nous en reparlions à l'occasion. Thank you.